Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une prod pour Kalash Criminel et Kaaris, ou Kaaris et Kalash Criminel comme vous voulez, qui ont sorti du coup vendredi leur album qui s'appelle SVR. Du coup, c'est un album en commun et j'espère que ça sera une dinguerie. Voilà, j'espère que ça sera une dinguerie. Sur ce, on va commencer la prod, c'est parti. Tout pour la mise, on est prêt comme Tchala. Je vais pas me répéter où sont mes chabas. Donc, pour commencer, j'ai rajouté un petit piano, voilà, qui vient de Piano V2 de chez Arturia. Et du coup, le piano, il s'appelle Japanese Jazz Wide. Donc, je vous fais écouter, c'est une petite mélodie bresson, et voilà. Mélodie quand même bien bresson. Et du coup, je l'ai dupliqué, voilà, et je l'ai mise une octave au-dessus, tout simplement. C'est toujours le même preset, et voilà. Y a pas chier, la mélo est quand même carrée. Du coup, j'ai oublié de dire, mais du coup, pour cette prod, je me suis inspiré de T'Challa, voilà, qui est le premier extrait qu'ils ont sorti. Tout simplement, voilà. Quand même, le son, il est quand même incroyable. Il est vraiment incroyable. J'ai adoré. Et voilà. Donc, du coup, sur ce, je la mets encore une octave au-dessus. Et ça donne ça. C'est en même temps bresson, en même temps, comme c'est en aigu, c'est aussi. Un peu émotionnel, un peu émotional, man. Voilà, c'est un mélange de plein de trucs. Mais c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même plutôt sympa, quoi. C'est vraiment ce qu'on demande, la sympathicité. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Du coup, je rajoute une autre mélodie. Voilà, une petite mélodie de complément. Toujours de piano V2, mais du coup, le preset, il s'appelle American Init, voilà. Et du coup, ça donne ça. Voilà, donc plutôt carré. Ensuite, je rajoute El Classico, voilà, le piano grave. Et il vient encore de Piano V2. Et du coup, le preset s'appelle German Large Studio. Voilà, il donne ça. Donc le piano grave, il fait vraiment toujours plaisir. Voilà, toujours ça rajoute un petit côté bien bresson. Du coup, en fait, comment faire? Vous prenez un piano, vous le mettez genre 3 octaves en dessous, et c'est fini, vous avez votre piano grave. Du coup, en fait, c'est un truc qui va faire taper au début, et du coup, ça va bien mettre une ambiance bien bresson, bien énervé, voilà. Du coup, ensuite, je rajoute Contact, voilà, avec la banque The Free Orchestra et le preset, il s'appelle Short Strings. Du coup, ça va tout simplement être des violons. Je dirais pas en pizzicato, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, c'est des trucs qui vont venir jouer, mais de manière brève. Ça va donner vraiment un côté épique à la prod. Ça, je pense, je vais mettre pour les pré-refrains ou pour les refrains. Je sais pas encore, mais du coup, ouais, c'est vraiment. Ça donne un côté épique de ouf à la prod. Ah bah ouais, ils sont incroyables, ouais, je sais, ils sont incroyables. Donc ensuite, je rajoute Labs avec tout simplement la banque qui s'appelle Core, enfin Choir, mais du coup. Core, il n'y a qu'un preset donc c'est forcément lui, donc c'est le preset long, c'est juste des voix en fait, du coup ça donne ça. Voilà, ça donne vraiment une ambiance menaçante à la prod, genre vraiment, ouais, c'est énervé. Agressif, vraiment, genre, c'est ça fait rep en fait, limite. Genre, t'as l'impression qu'il y a un mec qui va arriver derrière, tout, 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 tout,
à peu près comme ça. C'est Cash Criminel Caris. Du coup, à cette mélodie, j'ai rajouté un kickstart, voilà, qui va venir saccader le rythme. Et ça va donner, comme un peu le short strings, du coup, bah ça va... Tac. Je sais pas comment dire. Mais en gros, quand le short strings, il va se jouer, et bah il y aura pas de son sur le labs. Et dès que lui, il aura fini de jouer, et bah le son, il va monter. Et ainsi de suite, ça va faire comme ça. C'est un sidechain, en gros. Voilà. Du coup, si je vous mets les deux ensemble, ça donne ça. Voilà, donc le fait d'avoir rajouté un kickstart, vraiment, ça rend la prod pesante, genre. Vraiment, elle est pesante. Elle est pesante et épique. Et Bresson. Et énervé. Ouais, elle est plein de trucs, en fait. Mais du coup, ouais, vraiment, genre, c'est pesant. C'est... Ça appuie bien. Vraiment, ça fait clac, clac, clac. Vraiment, ça t'appuie dessus, genre. Bon, après, faut imaginer un peu quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, la prod, elle vient pas t'appuyer dessus. Non, mais quand même, faut... Hein. Un peu de... Ensuite, je rajoute, du coup, bon, une snare. Bon, je vous garde qu'un seul élément. Du coup, je rajoute une snare classique. Un peu, voilà, mon inspiration pour les drums, c'était un peu genre trap 2013-2014, voilà. Vraiment, trap d'Atlanta, classique. Du coup, bon, on a la snare tous les 3 temps, je crois. Rien de plus à dire, elle est classique. Elle est classique. Du coup, j'en rajoute une à contre-temps après. Elle donne ça. Voilà, donc la snare, elle vient vraiment se balader où elle veut, quand elle veut, un peu, tu vois. That's F-L-E. Mais du coup, ouais, on la laisse faire ce qu'elle veut, quand elle veut, tant qu'elle fait des dingueries. Aucun problème, mon gars. Aucun problème. Fais ce que tu veux, man. Ensuite, je rajoute des hi-hats. Non, j'allais dire classique, mais non, ils sont pas très classiques trap, du coup, 2013-2014, comme j'ai dit. Ils sont un peu plus actuels. Bon, vous avez vu un peu la flemme. Un peu la flemme de jouer avec les vélocités. Un peu la flemme. Ils sont stylés. Du coup, ensuite, j'ai rajouté ma petite technique à moi, ma petite technique préférée. C'est tout simplement rajouter un hi-hat, un autre pour combler les trous. Bon, là, je modifie un peu la prod en direct. C'est mieux de changer les sons des hi-hats si tu fais cette technique. Faut pas que ce soit le même son, sinon, franchement, c'est juste autant le mettre sur le même pattern. Du coup, bah là, je vous montre. Bon, j'ai baissé, du coup, pour que ça soit pas le même son. Et ça donne ça. Voilà, ça joue beaucoup sur le bounce, sur le groove, voilà, comment ça va te faire bouger, tu vois. Du coup, ensuite, je rajoute un open hats en même temps que les snares. Ça va tout simplement donner de l'impact à la snare, voilà, ça va lui donner de l'espace, on va dire. Voilà, du coup, ça donne ça. Ça ressemble déjà à quelque chose. Donc ensuite, bon, une autre technique que j'aime bien, c'est mettre des petits open hats à la fin pour clôturer le pattern. Je sais pas ce que ça rajoute, mais en tout cas ça rajoute quelque chose que j'aime bien. Voilà, et je kiffe faire ça. Du coup, bah ça donne ça. Donc comme vous voyez, je les ai coupés ici, les open hats, voilà, tout simplement pour redonner de l'impact au kick. Voilà, tout simplement, ça s'arrête en même temps que le kick. Enfin, en même temps que le kick qui commence, du coup, paf, ça donne plus d'impact au kick. Et du coup, en parlant du loup, le kick. Bon, là, ça sort tout simplement de mon esprit. Là, la deuxième partie, ça sort vraiment de mon esprit, genre. C'est pas un truc classique. Vraiment, c'est mon esprit, il a fait « Ok, bon, on va faire ça. » Donc, j'ai fait ça. »
si vous laissez bien sur le truc, on se fait chier. C'est plat, on se fait chier de ouf. Voilà, du coup, bah, je vous conseille de décaler un peu pour que tout simplement, il y ait un peu plus de groove. Voilà, ensuite, bon, je rajoute la 808. Bon, comme vous voyez ici, ça c'est les kicks. C'est les kicks, donc forcément ça part un peu en yuku, on peut dire ça un petit peu, on peut quand même dire ça. Ça part en yuku, elle va venir jouer une espèce de petite mélodie et elle donne ça. Bon, j'ai oublié de vous prévenir aussi, mais j'ai pas mixé les drums, hein. Je préviens, j'ai pas mixé les drums, pas encore. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que peut-être vous voyez le nom du FLP depuis tout à l'heure, vous dites, il est chelou le mec. Non, c'est juste, ça m'a fait rire, parce que dans Tchala, le son, Charis, vraiment, il m'a fumé. J'ai entendu, il a dit quoi ? Les couilles en vibranium comme Tchala. Ah, ça m'a fumé, je sais pas pourquoi c'est... Je sais pas pourquoi ça m'a fumé, mais franchement, les couilles en vibranium comme Tchala, incroyable. Donc sur ce, bon, encore une fois, je suis encore désolé, hein. Ah vas-y, il n'y a pas d'effet intéressant, il y a une reverb, un EQ, fini. Du coup, sur ce, bah la prod, tout simplement, elle est finie. La vidéo aussi, du coup, n'hésitez pas, pouce bleu, tout ça, tu connais. Voilà, donc si vous voulez la prod en entière, elle est tout simplement première ligne de la description. Et voilà, juste l'album, je l'attends, franchement, honnêtement. Toutes leurs collabs qu'ils ont fait, je les aime bien, quasiment, je pense. Non, même toutes, en fait. À part, je vais pas vous mentir, je crois que c'est Tu dois des sous. Pff, en fait, c'est juste parce que c'est de la drill et que la drill, ça m'a cassé les couilles. C'est un projet qui me hype quand même bien, SVR, et du coup, bah, j'espère qu'il sera bien. Du coup, bah, je vous mets en commentaire mon avis, si j'ai eu le temps de l'écouter, voilà. Du coup, sur ce, bah, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne nuit, ce que tu veux. Et du coup, bah, moi, je te dis salut.